et côté tout on a dit gouvernement ça irresponsable ou même en tant que acteur politique comment est ça. Bon, et bon avant de commencer, bon moi saluer tout pays là. Bon moi j'étais un café ou bien un clairé un beau piment. Pour guider yo, mais hier c'était fête tout moyo, nous gain respect pour papa de Saline, pour Capra la mort avec ancêtres yo qui était by koyo et qui vini mort national qui c'est anciens ancêtres de manière nationale qui donc nous célébrer jour ça yo avec sentiment que nous pas ka oublier héros nous qui était sacrifié koyo qui vinn des morts nous qui vinn des ancêtres nous. Et je dis à c'est fait guider une entité, une énergie dans la culture pays, c'est tous les vaudous haïtiens, base fondamentale pays, c'est fait yo, nous du peuple haïtien, bonne fête guider, souvent foi, et nous souhaitons jouer ça à servir comme une base pour aider nous en prise de conscience naturelle pour que haïtiens vivent. Changer comportement à attitude pour les pays. Nous tout arrivé là avec ou soit fait et négazam yo. Et Haïti m'a gardé journée jour du côté n'a vivre là son pays qui arrivé dans contexte lié là aujourd'hui à son pays qui on ta capable dire qui séparé bout par bout morceau par morceau. Moun ki nan centre-ville pa ka traverse Carrefour aller dans le Grand Sud, moun ki nan centre-ville pa ka traverse aller vers le Nord, moun ki nan centre-ville pa ka aller vers le Plateau parce que yo bouclé. Ça veut dire nou rete nan mitan. Et dans chaque quartier populaire yo, des groupes nèg ki gen gros am lou que la police pa même capable intervenir. Et n'a gardé gen des hommes kap mouri, gen des femmes kap mouri, dernier sak mouri puis près de nous là, malgré gen mouri chaque jour, c'est Éric Jean-Baptiste, un fervent défenseur de la démocratie, un homme modéré, et yon nèg qui investit dans pays a qui crée un paquet d'emploi, mais qui te gen moyen pour protéger tête li, li gen un blend machine blend de 4, gen des armes avec. Li passé comme ça, son pet pour la politique en Haïti. Qui donc lecture nous fait c'est parce que pays a un problème. Son crise qui pas daté d'aujourd'hui mais qui prend une dimension. Et me toujours dit haïtien nous non guerre depuis après Jacques Dessalines. Guerre ça li fait avec les puissances occidentales yo. Et puissances occidentales yo pas jamais pardonner nous les haïtiens parce que nous saper un système. Nous faisons insolence mondiale qu'on nous tabli système vraiment socialiste monde là. Et depuis lors yo servi nous comme persécuteurs et en guerre avec nous. La déclaration de Delano Roosevelt. Faut yo diviser, faut yo crier, faut yo faire nous tuer l'autre, tuer l'autre. C'est lui qui est en application là. Nous gon grand pays dans monde là qui veut rester seulement amis nous. Il gagne acolyte li yo. Mes amis nous pour nous rester gens régné là, mon a tué monde, mon pas ka manger, insécurité à outrance, mendicité, assistana, ti moun pa l'école, pays économie pays a crasé ou toujours en crise perpétuelle. Et c'est lui même celle qui pour gagner et puis tout haïtien met perdu et la beauté richesse sous terre. Pour prendre richesse ça yo. Li pa vle aller négocier, il y a kon, li gen trois bagay li fè. Premier bagay li fè a, li choisi créer une équipe d'hommes et de femmes dans le pays, li mette yo là comme travailleur. Li ba yo man, li ba yo visa, li ba yo l'argent, li ba yo kay, li fè petit mette toute famille dans le pays li et puis soit le fè ou fon zak, li mette un code dans code. Li mette un dossier sur yo. Deuxième ça le fè comme rubrique, li pa jamais quitte tomber élection fait dans le pays. Ça veut dire pour toujours mettre mon balle. Dernier rubrique là, ça le fait, il crée une crise à tous les niveaux. Son président, si le peuple a nommé un président là, il est président, pas travailler avec lui, il bat le coup d'État. Et il fait Zamvini et il a mis mon et à mon il fait une bataille tout le temps pour ne pas être pour réfléchir. Nega Zamio, c'est le produit de la communauté internationale. En particulier, Bini et département
qui vient jouer un statut quo à cap travail pour en Haïti le secteur privé des affaires. Et ensuite, l'État a prêté à amener. Contre qui est-ce qui fait lui? Contre majorité population, hein? Contre stabilité politique et économique dans le pays, hein? Contre propre monde qui met des armes dans le pays. Ça le fait, il y a des armes, il fait des armes, il y a des armes, quand il y a des armes dépassées, soit l'arrêté ou bien tué. C'est une forme de destruction, son guerre de destruction, guerre destructive, qui a fait contre une population. Que yo pa vle chita réfléchi, yo pa vle quitter le penser, yo pa vle quitter l'agir, yo pa vle gagner stabilité, yo pa vle grandir économiquement et social, yo pa vle le former pour citoyen gagner capacité, yo pa vle parti politique grandir pour endoctriner moun, pour que patriotisme, pour que les sentiments d'appartenance augmenter pour que des hommes et des femmes cap diriger pays comme ça doit pour permettre qu'il gagne capacité chita son table négocier avec eux. Et c'est ça qui fait crise ça que la journée aujourd'hui nèg aza mieux c'est pas au hasard. Mon vle moun comme ça. C'est pas au hasard. Même si n'a mande yo créer condition tout pour yo venir à bot yo acclamer yo pour yo prendre ça qui dans sous-sol là sans négociation. Mais en plus pour yo renforcer zam de gen dans pays là. Yo pas désarmer moun. Et tout de suite encore un président monté qui pas vle couper en bas tendance yo pour yo faire zam nan reprendre la rue encore. Qui donc yo même si ouais nous tout mourir. Si vous avez un pays écrasé économiquement, si vous avez un petit dire dans le bol blé, si vous avez une agriculture écrasé net, si vous avez tout haïtien venir rester avec vous, c'est bravo, vous battez parce que vous avez cherché. Et vous voyez chaque haïtien qui a un respect, qui a une capacité, et qui veut prendre destin en main, il y a des bagages à faire. Soit vous barrez là tous les niveaux, soit vous touillez là, ou bien vous créez une condition inappropriée pour ne pas fonctionner. Ou pas ouais non accord à fait yo ou pas ouais non bah, est-ce que garder qui monde qui là dedans ou pas une série de monde qui va mettre là dedans même depuis blanc une série de monde qui le pas gain contrôle qui pas sous l'obéissance qui pas programmé fait progresser programme en Haïti il m'a demandé de côté j'ai monté des questions négazam yo yo pas tombé du ciel et yo pas fait au hasard c'est pas des nèg qui possède l'argent qui possède des cailles qui gagne dollar qu'à acheter des armes pour bon plaisir pour faire tête au plaisir ni pour faire grand stérilisation c'est des hommes avec des jeunes femmes qui étaient très prometteurs qui étaient qu'à créer richesse dans famille pour aider pays à développer yo utiliser parce que yo pas formé politiquement et qu'on haïtien li même chef li même âme yo ba yo âme nan puis yo fait autodestruction et puis profiter craser pays a yo ou pas ça vous fait. Yo pa vle gon la mer en Haïti, yo bataille pou pa gen la mer en Haïti, malgré une grande pile jeune qui te vle rentrer dans la mer. Si te gen la mer, nèg sa yo pa tap nan gang, c'est dans la mer ou tapi. Yo tap déjà inscrit. Dans la police, yo pa quitter moun entrer n'importe comment, yo inscrit nèg se moun yo vle rentrer dans la police. Et ça yo fait jodi a yo craser institution policière là. Yo fin craser institution policière en tant qu'institution républicaine, yo craser la justice parce que yo connaît justice ça c'est la police ça c'est auxiliaire de la justice. Qui donc yo réduit toute institution pays yo parce que là yo t'a venir en 1915 yo volé tout le nous gagne yo prend tout ça de posséder là yo tourné en 2004 yo dit a venir renforcer la police et pas police renforcer yo créer gang yo dit a venir renforcer institution yo faire corruption là exemple yo faire moun yo manger comme petit caribé pour développer pays là là yo vont comme dans USAID yo fanni en 4 ti reste pas même rivé en Haïti là et ça yo venir renforcer institution yo. La corruption en Haïti, yo crasé toute institution. Maintenant, yo quitté Haïti à ni. Enfin, ti pour finir questionnant. M'a parlé avec un Rwandais et m'a fait des lectures sur le Rwanda. Et moi exactement, c'est cheminement ça. Là où t'a pral faire guerre civile Rwanda pour te tuer un paquet de monde. Et c'est cheminement ça yo veut faire en Haïti, créer une guerre civile. Là ou pas ba nous tremblement de terre puis ou ba nous une guerre civile et que puis continuer tuer monde prend contrôle pays a et puis ensuite puis ca exploiter minerai nous gagne parce que nous gagne des produits dans ce sol là qui très coûté qui fait gros fusée qui fait armes nucléaires tant pour l'or iridium uranium bauxite l'or noir ou gagne gaz ou gagne charbon ou gagne toute qualité produit qui capable soit exploité ou qu'a fait pays à développer comme tout autre pays dans le monde. Qui donc c'est un complot contre nous. Nous sommes en guerre
avec la plus grande la plus grande puissance mondiale est en guerre contre nous et pour détruire nous, pour pas quitter philosophie de salinienne émerger à travers le monde. Yo barré nous pour nous pas travailler avec la Russie, yo barré nous pour nous pas travailler avec la Chine populaire, yo barré nous pour pas travailler avec le Venezuela et manger comme là et même Cuba. Qui donc yo veut aussi seuls amis nous, mais pour rester nous comme ça, pour seulement c'est yo qui gagne raison et puis pour nous même pour disparaître. Et oui sénateur, et pour nous finir, et nous était quoi dans société politique dans pays là, et sénateur René Civil très connu et donc le monde qui toujours attendu sénateur René Civil. Merci beaucoup. Mais est-ce qu'il pas tellement de tout pour secteur politique là, ta chita avec eux en tant que responsable politique pour toute sorte de sous table là et avec nous là pour t'arrêter sous table et puis pour nous comment nous ca sauver Haïti. M'pa gen espoir des classes politiques ça là. Ouais m'la dan. Mais parfois faut faire autocritique. Et à partir de l'autre, il faut changer. Il ne faut pas avoir conscience de l'état que tu as évolué ou pas jamais changer. La classe politique, ça a des gens sérieux, mais il y a des gens qui travaillent typiquement pour les États-Unis et la communauté internationale. Ça qui est sérieux, ou après à faire un pile effort. Et ils parlent souvent. Mais ça n'est pas sérieux, couvrir. Ouais, pour nous sauver le pays, ça, nous avons besoin des hommes et des femmes. Et nous, dans l'émergence, nous comptons sur la jeunesse. Et pas toute jeunesse là, des jeunesses qui déjà partie sont ou d'organisation, qui a formé tête, qui entré dans des structures politiques, qui a endoctriné tête, à travers une philosophie, une idéologie, un plan, un programme. Et qui n'a besoin de monde qui est dans la classe politique, ça tout pour accompagnement, parce que pas une génération spontanée, c'est clair. Qui donc, nous besoin des femmes qui. On va aller loin, on pas besoin des extrêmes des deux côtés, besoin des hommes et des femmes capables, formés et qui capables chita sous table là. Pour dire les États-Unis, premièrement folie t'es fort pour souveraineté parce que souveraineté à la main eux. Ils ont décidé tout. Voilà. Tout accord traité yo. Ils ont décidé nommer un monde, placer un monde. Ils pas capables. Tout accord qu'a fait là tout attendre les États-Unis avec Bini pour dire ça bien fait. Ensuite on déclaration. Ça, nous avons qui est à nous. Il faut que nous reprenions souveraineté politique, là, souveraineté économique, là, souveraineté culturelle, là, en un mot, la souveraineté nationale. Et c'est là ça, nous avons chita et nous avons façon de construire pour prendre cette souveraineté. Ce n'est pas dans la bataille que nous avons fait là pour les Gounia, non. Il faut construire la bataille, il faut construire les combats. Et dès là, nous reprenons souveraineté. Et puis nous avons des hommes et des femmes qui chita sur la table, qui disent les États-Unis, nous voulons coopérer avant. La Chine, nous voulons coopérer avant. La Russie, nous voulons coopérer avant. Voilà l'intérêt d'Haïti. Et voilà, mais ça nous a comme intérêt. Parce que bah, là, c'est consacré. En respectant l'accord de Vienne, nous prenons coopérer ensemble, dans le respect mutuel. Et décision politique, nous prenons avec le peuple. Mais et moun, ça est tout à conscient, faut retourner à le peuple là pour créer richesse, pour nous renforcer l'économie pays. Pour nous faire peuple vivre plus ou moins, pourquoi pas en Haïti, mes amis? Nous avons des grands hôpitaux, nous avons des chaînes d'hôtels, nous avons des grandes universités. Même si nous partons dans l'université, Ottawa, tout l'autre côté, l'autre pays va venir dans l'université là-bas. Nous pouvons le cadoter de l'autre côté, pourquoi pas nous pas gagner l'hôpital de l'autre étranger à venir là-bas. Nous sommes capables, nous avons des cerveaux. Au contraire, nous sommes peuple intelligent. Pourquoi pas nous pas gagner un pays, une chaîne d'hôtels, touristes à rentrer? Pourquoi pas nous gagner terre pour nous faire manger, nous produire pour nous exporter tout. Nous capables. C'est parce que grande puissance nous saute pas l'eau là, yo pas vle, yo fait nous tourner marché yo. Produire à faire yo là plus près de nous la République Dominicaine pour yo déverser yo ba nous. Et yo produit manger spécial pour nous qui pour trouer nous sanitairement. Qui donc nous besoin j'en dis à zami, yon gou femme ak garçon bien éduqué, bien formé, bien endoctriné qui gagne capacité pour chita son table. Pour négocier la coopération internationale de ces pays. Et n'a fini dans 2 à 3 minutes. Et qui message vous avez pour le gouvernement en place là? Et en plus, comment en tant qu'acteur politique, comment comprendre les gens du Canada et pour venir nous occuper nous? Et pourtant, nous libres et le Canada est sous titre. Ah bon? Pour le gouvernement en place là, qui message? Bon, est-ce que si je message là, il y a pas? C'est comme si moi bon équipe son chauffeur qui sont machine n'arrivait non coin bon il pas qu'à faire bac et s'il vansait
la chavire dans l'ambe. Quand y'a chauffeur pas chercher aide pour la faire mouillon descendre, pour courir machine nan, et garder qui manœuvre qui fait pour ouvrir route là pour machine nan passer. C'est comme ça que moun nan pouvoir yo. Ou non pays, tout le monde ka wè, même si vous avez fait, même si vous avez soit disant, vous avez fait fort, même pas wè. Ou wè pays a besoin un leadership collectif pour déraper. Mais il faut faire mea culpa. Faut franchir ta moun, faut jouer un compromis avec moun, faut jouer un consensus avec moun pour déraper pays a. Parce que c'est pas pied bois ou ap dirige. Même si vous avez dirigé pied bois, son être dans la nature, il faut gagner un respect pour vous. Qui donc conseille m'a yo, c'est tendre la raison. Conseil m'a ba yo, tendre revendication peuple la. Conseil m'a ba yo, connaît, y a dit un pays, dirigeant pays. En pile moun te mouri pour ba pays sa indépendance. En pile famille a mouri nan état sa. Faut qu'on y a dirigeant pays, haïtien pa vle vivre ka moun ni rete ak moun. Yo vle vivre nan pays yo, faut fon mea culpa. C'est ça m'a dit. Et l'autre gros bagay ou dit, États-Unis sont sous titelle. Le Canada. Le Canada, sous titelle. Voilà le besoin de mettre nous sous titelle. La titelle d'Haïti, son bagay qui travaille longtemps et qui est dirigé par le Canada. États-Unis, tout ça l'a fait Haïti, il y a deux pays qui vont gérer. Et ces deux pays, ça a été mal pour nous. C'est le Canada et la République Dominicaine. Deux pays, ça, ils n'ont pas aimé Haïti. Le Parlement, c'est qu'il y a tel les États-Unis. Tout ça, les mal les États-Unis à faire Haïti. Détruit Kilti, détruit Cochon Criole, détruit Cocoye, détruit Poul. Et maltraité Haïtien. Côté COP passé pour déstabiliser le pays, c'est la République Dominicaine. Et le Canada toujours bas les temps. Ça veut dire, je dis à son honte pour nous les Haïtiens. La première République nègre indépendante. Qui lancer ça relait les socialistes mondiaux parce que l'un des plus grands socialistes qui existait dans le monde c'est Dessalines. Qui donc je dis à pays nous créer, pays nous aider créer, pays nous participer dans la liberté. Je dis à y a ironisé nous. On pas critiquer les Canada les États-Unis. Au point qui m'a critiqué nous les Haïtiens. Nous jouons un paquet inconscient dans nous. Nous jouons un paquet apatride dans nous. Yo jwenn paquet moun ki pa gen vergogne nan nou ki d'abord accepte travay au profit de yo kontre nou et m'espere un jour le moun di tout moun tourne la kayo m'espere un jour les États-Unis di tout haïtien tourne la kayo le Canada di tout haïtien tourne la kayo pou mwen sa y a fait ki donc c'est nous les haïtiens les hommes et les femmes politiques le secteur privé des affaires. Moi-même, je suis chita sur la jeunesse, le vaudou haïtien qui pour prendre responsabilité, rétracter, réfléchir, reprendre souveraineté. Quand il y a là, il y a des fêtes accomplies. Si vous pas venu, tout le monde a mouru. Si vous pas venu, nous pas qu'à manger. Si vous pas venu, nous pas qu'à traverser pour aller de l'autre côté. C'est grave, mais nous-mêmes dans l'émergence, nous comprenons. Et nous tellement comprenons, nous espérons que les haïtiens comprennent pour opposer Zach. Politique pour opposer à pour sortir pays. Nous devons faire accomplir ya. N'a valé couleuvre là. Nous pas grand rien nous ka faire en tant que peuple pour le moment. Même reconnaît nous devons engager dès à présent pour nous construire le nouveau leadership pour la reprise de notre souveraineté sacrée parce que Kémi Séba a dit le paradis des noirs. Ouais, le berceau des noirs. La trinité spirituelle des Noirs, c'est Haïti. Nous devons prendre souveraineté. Nous. En main, nous devons reconstruire Haïti et nous devons faire ça avec toute force sa mandée. Et nous devons jouer une solidarité. Seulement ça pour faire son prise de conscience, pour nous éduquer tête nous, endoctriner tête nous, former tête nous politiquement, pour nous prendre souveraineté pays et discuter avec les nations sœurs et étrangères. Donc c'est ça que nous devons faire. Merci, sénateur. Venez, c'est bien. Merci.